Salut. Salut. Bonjour à tous. Et non, ce n'est pas l'heure d'aller se coucher, car la nuit ne fait que commencer ici à Séville. Point de départ de mes échappées belles consacrées à l'Andalousie. Je suis très heureuse de faire ce voyage avec vous. Ferdi va m'accompagner dans les rues de la capitale andalouse. Et puis j'ai plein de belles choses à voir ici. J'irai voir Grenade, bien sûr. Je vais faire un petit tour par Cadiz. Et puis le but ultime de ce voyage, c'est de rejoindre le désert de Tabernas, qui est un peu un décor de Far West. On verra ça ensemble plus tard. Regarde, voilà ton plateau de calamar. Oh, ça, j'adore ça. Ah ouais, ça c'est super bon. Ah, c'est très chaud. Tu vois, ici c'est facile de se faire des amis. C'est typique. Tu prends un verre et comme tous les gens sont proches de toi, tu parles à ton voisin, de droite ou de gauche. Pas besoin de les connaître. Et à partir du moment où tu passes une commande au bar, tu te fais des amis. Séville, le cœur de l'Andalousie, l'une des régions les plus touristiques de l'Espagne. À elle seule, la ville attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Le tourisme est devenu un secteur essentiel de l'économie sévillane. Ici, à droite, vous avez la place d'Espagne. Le pavillon espagnol, qui a été construit pour l'exposition universelle de 1929. Sur la place, on a aussi construit un canal artificiel avec quatre ponts qui représentent les quatre royaumes qui constituaient l'Espagne. Navarre, Léon, Castille et Aragon. Depuis que j'ai 18 ans, je conduis une calèche. Ma famille travaille là-dedans depuis plusieurs générations. Et comme il n'y a pas de travail ailleurs, alors j'ai pris ce boulot. Il fallait bien que je gagne de l'argent. Derrière la capitale andalouse, c'est l'économie d'une région tout entière qui est dopée par cet afflux de visiteurs. La renommée touristique de l'Andalousie a fait le tour de la planète. Mais aujourd'hui, les côtes trop construites, doublées de la crise économique, font moins recette. Alors, sur les 138 km de plages encore épargnées, une nouvelle forme de tourisme balnéaire se développe. Un tourisme plus ciblé. D'abord, tu mets ta jambe gauche vers l'avant. La barre doit être haute, avec le kite à midi. À droite, à gauche, la barre vers le haut, et tu arrêtes ton kite. Francisco a choisi l'Andalousie pour créer son école de kitesurf. Et ça marche. La côte de Cadix voit aujourd'hui affluer des touristes plus sportifs. La crise n'a pas affecté ce sport. Ça fait 10 ans que le kitesurf explose. Et ça continue de marcher super bien. Ici, autour de Cadix, les gens viennent spécialement pour le kite. Par exemple, mon élève Ralph, derrière moi, n'est venu ici que pour ça. J'espère que le kite va se développer encore plus et que cette activité va devenir incontournable et pas liée à la crise du tourisme. L'Andalousie a bâti sa réputation touristique grâce à ses côtes. Mais l'intérieur des terres recèle aussi des trésors cachés. L'or vert de la région, c'est l'huile d'olive. L'Andalousie est un des premiers producteurs au monde. Et le tourisme agricole est aussi l'un de ses fleurons. L'olivier s'adapte au sol. Du coup, les olives produisent une huile différente selon les terres où elles sont cultivées. Vous pouvez être sûr que quand vous avez l'habitude, vous pouvez sentir les nuances de ces huiles d'olive. Chez Basilipo, les visiteurs peuvent suivre le processus de fabrication de l'huile du début à la fin.
Le tourisme est fondamental pour maintenir toutes les richesses naturelles que nous avons ici. L'Andalousie a un patrimoine de montagnes, de terres et d'exploitations agricoles vieilles de milliers d'années. C'est tout un univers à découvrir. Et je suis persuadé que c'est la voie dans laquelle il faut s'engager pour le futur de notre terroir. C'est fruité, avec une nuance de tomate, effectivement. Ces arômes, vous pourrez les retrouver ensuite dans vos plats. Du PIB de l'Andalousie dépend aujourd'hui du tourisme. Un secteur incontournable où la concurrence est rude. Et où toutes les idées sont bonnes pour se démarquer des tours classiques. Cristina est licenciée d'histoire. Elle est une des premières à avoir eu l'idée d'animer des visites historiques avec des acteurs. Je reconnais qu'elle m'aide beaucoup. Elle est la personne qui connaît le mieux l'histoire de Cadix de 1812. Parce qu'elle l'a vécue. Et pour 200 ans. Elle est drôlement bien conservée. Je pense que nos visites sont importantes, parce qu'il y a des gens qui veulent faire des tours plus approfondis, en touchant de près le quotidien des gens de l'époque. Avec les années, on s'est rendu compte qu'il faut faire de la qualité pour faire vivre la région grâce au tourisme. À Cadix, Cristina entraîne ses visiteurs sur les traces d'une chanteuse populaire du début du 19e siècle, au moment de la guerre d'indépendance espagnole. C'est vraiment très marrant, très sympa, très andalou, typique de Cadix. Les gens d'ici ont cette grâce, ce côté artistique et cette spontanéité qui appartient à l'Andalousie, et surtout à Cadix. Cadix, Grenade, Séville, Cordoue, le nom de chaque merveille de l'Andalousie a propulsé la région au premier rang des destinations touristiques européennes. La marque Andalousie a fait aujourd'hui le tour de la planète touristique. Et c'est toute l'Espagne qui en profite. Là, on dirait vraiment que la ville est endormie. Il y a vraiment des ambiances différentes en fonction des heures de la journée à Séville. La nuit, on fait la fête, alors l'après-midi, on fait la sieste. Tu vois là, Sophie, on est devant la Giralda. Elle est connue dans le monde entier. C'est la tour qui jouxte la cathédrale. C'est un endroit très touristique. C'est cette cathédrale qui avait été construite sur l'emplacement d'une ancienne mosquée, c'est ça? Exactement, la cathédrale a été construite sur les fondations d'une mosquée. C'est pour ça qu'on retrouve avec cette grande tour où il y a le clocher, un peu l'esprit d'un minaret. Oui, il faut bien voir que le minaret était conservé et que l'on a bâti la cathédrale autour. Le patio des drapeaux. C'est une place également touristique, mais beaucoup plus calme. Nous, les Sévillans, nous aimons venir ici pour composer de la musique, par exemple, ou se reposer. Quand les fleurs d'oranger apparaissent, leur parfum remplit toute la place. Et en tant que chanteur, je pourrais y passer des heures. Sophie, voici le quartier de l'Incarnation. On arrive à la Grande Place. Tu sais que chaque ville d'Espagne possède une Grande Place. Et ici, on a construit les parasols métropoles. Avec la chaleur qu'il y a à Séville, c'est une bonne idée. Cet endroit où l'on peut trouver de l'ombre. Les habitants de Séville aiment appeler cette construction la seta, le champignon. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça passe pas inaperçu. On ne peut pas le rater.
Je suis très surprise par l'architecture de ce monument. Je ne sais pas vraiment si c'est une prouesse technique ou une œuvre d'art. En fait, c'est les deux. C'est une œuvre d'avant-garde et c'est une structure géante en bois que personne auparavant n'avait construite. Il y a 4 étages, 6 piliers ou des champignons, comme on les appelle ici, nous les Sévillans. Et la hauteur est de 20 mètres. Et au-dessus, c'est une structure toute en bois. L'idée de l'architecte était de construire quelque chose de novateur en plein centre de Séville. Ici se croisent les deux grands axes, le nord et le sud. Pour la cathédrale, il a essayé de s'inspirer des arbres qui parsèment la région, du paysage andalou. Et tout ça, il l'a synthétisé dans cette construction. Au début, beaucoup de gens étaient hostiles à ce projet. Ils le trouvaient trop grand, disaient que ça prenait trop de place. Et lorsqu'ils ont pu admirer le point de vue à 360 degrés, qui est différent de celui de la Giralda, eh bien, ils ont pu voir leur ville sous un angle inédit. Comme par exemple le quartier de la Macarena. Quand j'étais dans le passage, j'entendais dire « Oh, c'est notre église. Ah, c'est notre quartier. Que c'est bien, ça me plaît. » Le Métropole Parasol, c'est comme ça qu'on baptise cet endroit, existe depuis, a été inauguré en mars 2011. Est-ce que pour toi, maintenant, ça fait vraiment partie intégrante de la ville ? C'est déjà un site que toute la jeunesse de Séville s'est approprié. C'est ici qu'ont lieu les manifestations et les rassemblements. Dans chaque ville, il y a toujours une place que les jeunes s'approprient. Et à Séville, c'est ce lieu qui a été choisi. Je voulais juste ramener un petit souvenir de Séville. Est-ce que vous avez des poteries qui sont vraiment typiques d'ici, des poteries andalouses ? Oui, bien, je peux te montrer ce que j'ai ? Oui. Regarde, ça c'est une carafe très typique de Triana, la carafe de l'ivrogne. Comme elle a le cul très large, l'ivrogne ne risque pas de la renverser. Quelles sont les origines de la poterie et de la céramique andalouse ? Les influences en poterie viennent de beaucoup de civilisations. Il y a beaucoup de civilisations qui sont passées par l'Espagne. Les Arabes, les Romains. Il y a eu des amphores très différentes qu'ils ont utilisées lors de leur déplacement. Elles contenaient du vin, de l'huile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la tradition a trouvé ses bases dans les poteries antiques et se les est appropriées dans les objets populaires. C'est la carafe que je t'ai montrée tout à l'heure. Moi qui vais voyager en Andalousie, si je monte cette poterie, on va tout de suite reconnaître qu'elle a été faite à Séville. Il y a vraiment une marque de fabrique. Oui, oui, c'est très populaire. Elle sera reconnue en tant que poterie de Triana. Triana appartient au flamenco Corseam. C'est dans les tavernes de ce quartier de Séville que s'ouvrent au XIXe siècle les premiers tablaos, les cafés-concerts où l'on chante du flamenco. L'Andalousie vit aujourd'hui au rythme du flamenco. Chaque soir, des centaines de touristes assistent au spectacle donné dans Séville. Un moment incontournable de leur voyage organisé. Le flamenco, c'est quelque chose de totalement à part, de spécial. Tout le monde ne danse pas de la même façon, ni ne joue, ni ne chante d'ailleurs. Chacun apporte sa touche personnelle quand il interprète du flamenco. Loin de la vision folklorique, le flamenco, c'est d'abord un chant,
le moyen d'expression du peuple andalou. Pour beaucoup, il viendrait d'un mélange de chants sacrés musulmans, juifs et chrétiens. Les gitans, nomades, auraient ensuite légèrement contribué à sa diffusion. Ce qui est sûr, c'est que le flamenco porte en lui le métissage des cultures qui font l'Andalousie d'aujourd'hui. Au fil du temps, le flamenco gagne ses lettres de noblesse. Depuis 2010, il est même inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Le flamenco, c'est un art qui s'est transmis oralement pendant des décennies au sein de la famille. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, les chants ont été enregistrés et cela a permis de perpétuer cet art. Des genres ont été établis et ainsi, chaque artiste a pu laisser son empreinte. Toute la mémoire vivante du flamenco est là. Dans les 3000 disques d'ardoise, les vinyles, les affiches, les livres et partitions que compte le Centre andalou du flamenco. Ce n'est qu'à partir du milieu du XXe siècle que les premières partitions de flamenco sont publiées. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas les guitaristes eux-mêmes qui écrivent les partitions. Ils se faisaient accompagner par d'autres guitaristes et grâce à eux, ils ont pu mettre par écrit leur musique. Grâce à ce travail d'écriture, le flamenco se diffuse en dehors des cercles d'initiés. Des écoles se créent. L'école de flamenco de Cristina Eren est une institution en Andalousie. Les plus grands professionnels y enseignent pour transmettre aux élèves l'essence du flamenco. Le flamenco a un ingrédient facilement assimilable par d'autres cultures. Le flamenco, c'est essentiellement ça. Un art capable de réunir les différentes dimensions de la vie. C'est un art, c'est aussi une fête qui en fait s'adapte à toutes ces dimensions. Si le flamenco s'exporte aujourd'hui à travers le monde vient en Andalousie pour l'apprendre. Les élèves de l'école sont issus de 47 nationalités différentes. C'est un style très percussif, très à tierra, ils disent en espagnol, donc vraiment qui est basé un peu dans la terre, qui est vraiment... C'est un côté primitif, un côté instinctif qui est vraiment... que j'aime beaucoup, un peu sauvage, quoi, que j'aime beaucoup. Le flamenco séduit jusque dans ses couleurs. La mode flamenca a elle aussi ses tendances et ses créateurs. Ici, il faut resserrer un peu pour lui donner la forme. Et ici, tu vois, tu as un petit taureau qui rappelle les robes du 19e. Rosalia crée des modèles uniques qui se vendent entre 700 et 2000 euros pièce. La base de la mode flamenca remonte au 19e siècle. Ce style, les plis des volants, rappellent l'époque victorienne. Moi, je m'en inspire principalement. J'aime bien reprendre l'ancien et lui donner une touche avant-gardiste. Ces dernières années, de nombreux musiciens se sont emparés du flamenco, créant un nouveau courant musical, le flamenco nuevo. Mélange de flamenco traditionnel et de rock, de jazz ou encore de musique électronique. Le flamenco est encore bien vivant.
vrai gaditano. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Cadiz. Oui, je suis un gaditano. Je suis né en 1975, si tu veux tout savoir. Et j'ai toujours vécu ici. Je suis fier d'habiter ici et d'être un gaditano. Ah, on passe par là ? Alors comment... Comment y sont les habitants d'ici? Qui a peuplé Cadiz d'ailleurs? Les premiers habitants furent les Phéniciens, qui venaient du Liban. Ils se sont installés à Cadiz en 200 avant Jésus-Christ. À partir de là, il y a eu les Romains, et depuis, eh bien, la civilisation actuelle, non? Regarde, Sophie, la boulangerie du peuple. C'est beau, cette vitrine. C'est la plus vieille de Cadiz, où l'on fait le touron de Cadiz. Ouh, ça me plaît, ça. Hola. Hola. Hola, que tal? Buenos días. Hola. Alors, où est-ce qu'il est, le touron de Cadiz? Ese es el touron. Ah, le voilà. Ese. Je peux goûter? De la pâte, de la farine et des fruits. D'accord. C'est aussi simple que ça, la recette, ou vous avez des petits secrets que vous ne voulez pas dévoiler? En vérité, ça n'est pas compliqué. Gracias. On le fabrique à Cadiz depuis l'invasion des Français. Ah vous ? Les Français avaient de la pâte, mais il leur manquait des ingrédients. Ici, ils avaient des amandes et ils ont composé ensemble le pain de Cadiz, d'où le nom pain de Cadiz ou turrón de Cadiz. Je vois que vous avez d'autres types de desserts. Qu'est-ce que c'est ça, yemas de coco? C'est juste de la coco et du sucre. Comment vous dites? C'est mon préféré. Ah, ça aussi? De la piña. Ça aussi. Avec des pignons, c'est délicieux. D'accord. Tout est délicieux de toute façon. Oh, d'accord. Gracias. C'est bon? C'est très bon. Ça va nous donner des forces pour le vélo. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des plus vieilles villes d'Europe? C'est une ville antique. En fait, toute la partie est et le quartier derrière a des constructions qui datent du Moyen Âge. Ici, nous avons la cathédrale de Cadiz. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle a été construite à différentes périodes. Si tu regardes bien, tu verras que les pierres ont des couleurs différentes, car il y a eu plusieurs financements qui se sont étalés dans le temps. Un premier financement, les années passent, puis un autre. L'époque change, les pierres changent. C'est ce qui explique la différence de couleur entre les pierres. On arrive au grand marché de Cadiz. Ici, tu trouves de la viande fraîche, du poisson frais. Les gens achètent beaucoup ici, car ce n'est pas cher par rapport à la qualité et à la fraîcheur des produits. J'ai un ami qui vend un thon excellent. J'achète toujours chez lui, car j'ai une grande confiance en ce qu'il pêche. On va voir s'il est là. Salut Fernando. Hola. On m'a dit que vous étiez le poissonnier le plus célèbre du marché. Ah, peut-être le plus photographié, oui, mais la célébrité, là, c'est autre chose. D'où provient votre poisson, en général? Plutôt de la Méditerranée ou de l'Atlantique? Oh, plutôt dans l'Atlantique que dans la Méditerranée, parce que ces poissons-là, on les trouve, oui, plutôt dans l'Atlantique. Bah, j'ai bien fait de venir. Ah, tu vas avoir un teint merveilleux comme ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici à part du thon? Le boquerón de Cadiz, qui est le meilleur boquerón au monde. Puis, je ne sais pas, on trouve aussi du saumon, du merlu, des fruits de mer, des langoustines, des gambas, des anguilles. En fait, ici, on a à peu près tous les types de poissons. Le vent se lève, Antonio, et la marée monte.
Qu'est-ce que c'est beau ! Voilà. Tout ceci est précieux. On a la plage, on voit les fortifications, le château Saint-Sébastien et Sainte-Catherine, et puis la balade sur la berge qui est très romantique, non ? Ouais, très jolie. Comment on fait pour travailler ici ? On a l'impression d'être perpétuellement en vacances, non ? Ah, tu sais, c'est très difficile, parce que quand tu travailles, tu passes par la plage. Quand tu es dans les bureaux et qu'il fait beau, tu vois les gens sur la plage et tu ne peux pas en profiter. C'est très dur, mais bon, on s'y fait. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la mer et le vent. En fait, c'est une invitation au voyage. Et puis ce détroit de Gibraltar qui a fait rêver tous les voyageurs, qui est le passage unique entre l'Atlantique et la Méditerranée. Tu vis dans un très bel endroit, en tout cas. Congrats. Gibraltar, enclave anglaise en terre andalouse, où tout rappelle le Royaume-Uni. Pub, cabine téléphonique et émission de radio en anglais, s'il vous plaît. One, two, good morning and welcome to your Saturday breakfast show. It's me, Andy Coombe, on the Radio Gibraltar. We have some big headlines on here this morning. Our Minister for Justice, Daniel Feetham, yesterday criticised GSLP leader Fabian Picardo, arguing that anyone... C'est un petit morceau d'Angleterre en Méditerranée. C'est la meilleure façon de définir Gibraltar. Mais il y a une meilleure météo qu'en Angleterre. Enfin, je crois. Et la nourriture est meilleure aussi. Je préfère vivre ici. Gibraltar et son rocher font la fierté de ses habitants. Véritable attraction populaire, comme ses petits pensionnaires, le roc trône sur la ville et sur son détroit. 100 000 bateaux y circulent chaque année. Il est la seconde voie maritime la plus fréquentée au monde. Par temps clair, de l'autre côté, à 14 km, on peut même apercevoir les côtes africaines. À ma droite, on a l'Afrique. Vous pouvez voir les montagnes là-bas. C'est un des piliers d'Hercule et Gibraltar, c'est l'autre. Derrière, vous avez l'océan Atlantique. Et dans l'Antiquité, c'était l'endroit où l'on croyait tomber dans les abysses jusqu'à ce que Colomb découvre l'Amérique et prouve que la Terre était ronde. La zone est stratégique et les Anglais l'ont bien compris. En 1704, sous domination espagnole, Gibraltar tombe aux mains des Anglais. Utilisé au départ comme base militaire, le territoire devient ensuite une colonie avec son propre gouvernement, ses citoyens et ses avantages fiscaux. Chaque jour, des dizaines d'Espagnols passent la frontière pour acheter essence, alcool et cigarettes détaxées, quand ils ne la passent pas pour travailler. Je viens comme tous les jours depuis la ville d'à côté, la Linea, pour travailler ici à Gibraltar. Je dois traverser la frontière et marcher trois quarts d'heure. Je travaille dans un takeaway, un magasin de vente à emporter. J'ai saisi cette opportunité et c'est très bien, je suis contente. Voilà, je viens de traverser la frontière et là, je suis à Gibraltar. C'est l'aéroport que je traverse tous les jours. Ici, comme vous voyez, vous avez la piste. C'est le seul aéroport à être traversé par une route. Seule la base du rocher est habitable. C'est là que s'étirent les quelques rues de la ville où se concentre toute l'activité économique sur à peine 6,5 km². Bonjour. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Alors, des feuilletés aux épinards et de la tortilla. Ici, il y a beaucoup de commerce. Ça bouge bien. Et du coup, on travaille bien. Et en plus, il n'y a pas de discrimination quant à l'âge, comme en Espagne, où ils prennent des plus jeunes. Ici, c'est vraiment plus facile de trouver du travail. À Gibraltar, toutes les communautés se côtoient. Juives, indiennes, marocaines, espagnoles et bien sûr anglaises. Un particularisme auquel Tito, comme ses 30 000 compatriotes, sont très attachés.
Lui est né de mère anglaise et de père espagnol. Il se dit le fruit du mélange de deux cultures. Chez lui, il parle le yanito, le dialecte de Gibraltar qui mélange l'anglais et l'espagnol. Historiquement, le yanito vient du fait que les travailleurs de Gibraltar parlaient chacun leur langue et donc n'arrivaient pas à communiquer. Ici, par exemple, pour chewing gum, on dit chinga. Et pour le cake, on dit keki. En passionné, Tito a même écrit un dictionnaire de yanito dans lequel il recense le vocabulaire de cette langue qui remonte à plus de 200 ans. Pour lui, c'est bien plus qu'un simple langage. Il véhicule toute une culture, celle de Gibraltar. Bonjour. Sophie, bienvenue. Merci, merci. Oui. On est dans un endroit superbe ici. C'est le domaine familial ? Oui, tout à fait, oui. C'est le domaine familial. Nous, on est la troisième génération, donc ouais. On doit les garder pour la quatrième et la cinquième. C'est une excellente idée. Oui. Et vous vivez toujours ici en famille ? Non, non, on habite tous ailleurs. Oui. Mais on revient tous les week-ends. Mm-hmm. Et surtout que ma mère habite ici toujours. Voilà, votre maman est restée donc, ici. Donc ici, c'est le point de réunion pour toute la famille, mes neveux et tout. C'est notre racine. Ouais. Alors, votre papa, il est ici ? Oui, oui, c'est à la Corrida à Séville. Et c'est la dernière belle photo de mon père. Ah oui, parce qu'il est très beau, là, très souriant. Oui, oui. Et très heureux d'être à la Corrida. Ah, oui, il adorait oui. ça. Ah oui, oui, il adorait. C'était sa passion. Comment cette passion pour les taureaux a-t-elle commencé dans votre famille ? Je crois que c'est plus ou moins depuis mon grand-père. Il avait acheté cette propriété pour recevoir ses amis. Il était à la cour royale, donc il a organisé pas mal de fêtes avec la reine, avec la les princesses et tout à la cour. Et il avait ici les taureaux qu'il achetait aux amis pour s'amuser, pour taurer avec ses amis. Mm-hmm. Ces deux taureaux ont été tués par mon grand-père. Et après, mon père, quand il a hérité la propriété, il s'est occupé de faire devenir l'élevage un élevage de première catégorie. Et on est très bien connus pour avoir des taureaux sérieux, dangereux et bien formés, comme la famille. On y va. Raphaël, comment on appelle ces hommes qui sont en train de travailler avec les taureaux, là ? Eh bien, ici, chez nous, dans le coin d'Andalousie, ce sont les vaqueros. Hein, c'est comme aux États-Unis, par exemple, les cow-boys. Oui, c'est ça, ce sont les cow-boys d'Andalousie. Voilà. Tous ces taureaux qui sont ici sont élevés essentiellement pour la tauromachie ? C'est ça. Alors, il a une morphologie concrète. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le taureau de viande qui doit peser, mettons, 900 kilos. Avec son squelette, ça va vite vers le 400-500 kilos, pas plus. Et c'est le mouvement, hein, ça veut dire le taureau qui charge, qui a l'esprit combatif, et qu'une fois qu'il attaque pour se défendre, si c'était un véhicule, il n'a pas de marche arrière. Il ne sait pas reculer. Il avance et il va jusqu'au bout. Là, autour de ces taureaux, il n'y a aucune agressivité, Raphaël. Qu'est-ce qui fait que le taureau, après, dans l'arène, il devienne agressif ? C'est ça. Alors ici, comme il n'a jamais été embêté, c'est un enfant gâté. Dès qu'il est né ici, il a tout. L'alimentation, ouais. Les soins sanitaires. Et quand il est à la corrida,
il est provoqué. S'il a l'esprit bravo, ouais. Parce qu'il y a des taureaux qu'on les provoque et ils ne veulent pas le combat. Donc l'esprit brave, quoi, hein, c'est voilà. Ça. Les taureaux bravo, c'est ça. Ce qu'on appelle les taureaux bravo, c'est les taureaux combat. Le taureau combatif qui ne supporte pas être provoqué, ouais. Et qu'on dirait qu'il veut démontrer son caractère. Ouais. Le taureau, ici, a été sélectionné avec sa mère, sa grand-mère, ouais. Etc. Et en plus, c'est depuis toujours dans sa charge génétique. D'accord. Alors, dès qu'il est né, il est pendant 6 mois avec sa mère. Mm-hmm. On va le sevrer et après, il ne reverra jamais plus une femelle. Ah oui, donc je comprends aussi l'énervement. Je comprends un petit peu mieux. Voilà. Le taureau ici, c'est un animal qui t'accroche, qui t'attire et qui a aussi des vertus que même les humains, on devrait imiter. De quelles vertus parlez-vous? Eh bien, bravo. Là, hein, toujours. Noble, ouais. Il va toujours te prévenir, il ne va jamais te trahir. Ouais. Et il a une beauté que quand tu le vois, mettons à l'aube, hein, au coucher du soleil, tu vois le taureau au trot et toi tu es à cheval avec ce silence, c'est magnifique. Ouais. L'Andalousie est le berceau du cheval de pure race espagnole. Les éleveurs ont su y préserver une lignée d'une grande pureté. Considéré comme patrimoine national, il s'exporte à l'étranger où il y connaît un véritable succès, pour son élégance et pour ses qualités. Pour moi, le cheval espagnol est unique. Aucun cheval n'est à la hauteur de ce que peut apporter le cheval espagnol. Cette tranquillité, cette noblesse. C'est un cheval qui est toujours à l'écoute de son maître et qui est très facile à dresser. Les chevaux de l'élevage Fuenterrey se vendent entre 15 000 et 20 000 euros selon leur pédigré. Les pures races espagnoles ont toujours été très appréciées. D'abord utilisées par les souverains des cours d'Europe pour la guerre ou la chasse, ils devinrent ensuite les montures préférées des gardiens de troupeaux. Mais au XIXe siècle, ils disparaissent et seuls quelques monastères en Andalousie continuent l'élevage. Il faudra attendre 1972 pour que la première école dédiée à ce cheval soit créée, l'École royale andalouse d'art équestre, une des 4 plus importantes au monde. Un univers à part, avec ses codes et ses règles précises. Maria est une des élèves de cette école. On est dans la sellerie, où se trouvent toutes les selles et les morts. Chaque cheval a une structure différente de la bouche. Et chacun a son mort. On est 100 candidats à passer le concours pour rentrer dans cette école. Et ils ne prennent que les 4 meilleurs. C'est vraiment une école prestigieuse. En Espagne, il n'y a qu'ici que tu peux trouver autant de bons cavaliers et de bons chevaux pour apprendre. Pendant 4 ans, loin des compétitions de sauts d'obstacles ou des courses hippiques, Maria va apprendre le dressage de haute école. Sous la férule des plus grands écuyers, comme Raphaël Soto, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'Athènes. Passage, quieto, quieto. Passage et à la derecha. Bien fait, quieto. Bien, 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 passage. Muy bien, trotte, pista mano izquierda, ya. Tous les travaux de tirouette, passage piaffé, c'est pas facile de faire. Ils ont besoin de beaucoup de temps et de chevaux qui expertent, des professeurs, pour pouvoir faire ça. Galopé, pugilativo, venga. C'est la noblesse de l'équitation classique. C'est une équitation qui est née au siècle XVII, XVIII, à Versailles. Ils ont toujours employé des chevaux varoques. Et le meilleur cheval varoque qui existe, c'est le cheval espagnol. Vitrine du cheval espagnol, l'École royale d'art équestre organise 2 fois par semaine des représentations ouvertes au public.
En coulisses, Raphaël se prépare. Il mène cette revue depuis 25 ans. Je dirais pour moi, maintenant, être écolière ici et pouvoir donner à mes élèves toutes les connaissances qu'on m'a données à moi. Et à un moment, les vents écolières, c'est comme une centauro. C'est moitié cheval, moitié personne. En costume du XVIIIe siècle, Raphaël et les 15 autres écuyers de l'école sont en piste. Les chevaux, aériens et virtuoses, exécutent courbette, croupade ou cabriole à la demande, quand ils ne donnent pas l'impression de danser harmonieusement en musique. Maria ne se lasse jamais de les regarder évoluer. À chaque fois que je regarde le spectacle, je me sens fière de notre travail de chaque jour, car c'est nous qui entraînons les chevaux. C'est vraiment le fruit de notre travail, et celui des professeurs, bien sûr. Mon grand rêve serait de participer un jour à ce spectacle. Dans quelques mois, Maria sera une professionnelle. Elle pourra alors à son tour tenir le rôle d'ambassadrice du cheval espagnol. En el 107.7, Memorias de Ronda. Faustino, bonjour. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission. C'est un plaisir de raconter le passé de notre ville qui est très riche. En Andalousie, Ronda est la seule ville qui compte trois foires dans le calendrier de ses festivités. Faustino, merci beaucoup. Comme chaque semaine, le jeudi sur 107.7 FM. Hola. Adelante. Hola, señor Faustino. Hola. Sophie. Enchantée, Sophie. Encantada. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous étiez un historien fabuleux de Ronda. Vous connaissez tout sur Ronda. Oui, j'adore l'histoire. Je suis professeur. Et l'histoire de ma ville m'a toujours passionné. Est-ce que vous ne voulez pas être guide d'une petite touriste esselée à Ronda et me parler un petit peu de la ville? Je serais ravi. Vous êtes mon homme, c'est ça? Por favor. S'il vous plaît. Sophie, nous traversons le pont romain, qui est le premier pont à avoir relié la ville. Après, les Arabes ont fait le second, qui s'appelle le Vieux Pont. Puis au XVIIIe siècle, on a construit le pont neuf, qui est le plus grandiose de la ville. Je ne sais pas si tu as le vertige, mais nous allons sur un balcon d'où l'on va voir quelque chose de spectaculaire. Ah oui, je comprends pourquoi tu me parlais du vertige. Ouh là là, mais c'est très impressionnant cette vue. C'est le pont neuf. Alors c'est pour passer de la ville ancienne à la ville nouvelle qu'on a créé ce pont? Effectivement. Le pont a été construit depuis le bas avec la propre roche de la falaise. Oui. De la falaise, oui. Et avec un grand échafaudage, les tailleurs de pierre ont avancé petit à petit jusqu'en haut. On comprend bien là, hein, la construction dont tu me parlais. Hein.
Ce pont fait partie des images un peu symboliques de Ronda, non ? Bien sûr. Mais ce n'est pas seulement le symbole de la ville. C'est aussi le symbole du romantisme espagnol. Parce que ce pont a été représenté dans de nombreuses gravures et peintures. À l'époque des romantiques, ces voyageurs cherchaient l'esthétisme du monde arabe que l'Andalousie a gardé, et particulièrement Ronda. Ronda a toujours été attrayante pour les écrivains, les poètes, car c'est une belle ville. Des gens comme Mérimée ou Faure sont venus ici. Hemingway était follement amoureux de Ronda. Et Orson Welles, le grand cinéaste, est enterré ici. Je suis fier d'être de Ronda. Pour moi, c'est un privilège d'avoir vu la lumière du jour pour la première fois ici. Parce qu'on est entouré de beauté, de paysages incroyables. Tout le monde est amoureux de Ronda, car c'est une ville qui te rend amoureux. Les paysages andalous font de cette région un lieu unique en Europe. Le parc national de Doñana est l'exemple de la richesse et de la variété de l'écosystème. Ses dunes, son maquis méditerranéen et ses marais. Cette réserve naturelle protégée de 55 000 hectares sert de terrain d'étude aux scientifiques espagnols. Salinité 0,4, conductivité 0,804. Miguel est biologiste. Chaque semaine, il analyse les eaux du parc, des eaux sources de vie pour toutes les espèces de Doñana. Le parc naturel de Doñana est couvert par environ 50% de marais et par des zones inondées par les fleuves, le Guadalquivir et le Guadiamar. Cet environnement offre un vrai potentiel pour le développement d'une grande variété d'espèces aquatiques. D'ailleurs, ici, on a un invité américain, mais il vit ici depuis plus de 30 ans. Zone humide la plus importante d'Europe, Doñana est aussi réputée pour sa richesse ornithologique. Sa situation géographique, au sud de l'Espagne, en fait un des points de réunion de plus de 400 espèces d'oiseaux qui migrent chaque année entre le nord de l'Europe et l'Afrique. Une équipe menée par José Luis est entièrement dédiée à leur suivi. Quand je sors les oiseaux du filet, je le fais très doucement, parce qu'un oiseau a des os très fragiles. J'essaye surtout de ne pas trop lui toucher le corps. La spécificité de Doñana, c'est la grande quantité d'habitats très variés qu'on y trouve sur un espace relativement restreint. Beaucoup d'espèces différentes viennent y chercher refuge. La bague a le numéro K01787. 43, 42. Les mesures de taille et de poids permettent aux scientifiques d'analyser l'évolution des espèces et de comprendre leur adaptabilité au milieu. Quand on capture les oiseaux, on les marque individuellement. Grâce au bagage, on obtient une série d'informations qui seraient très difficiles à récupérer en les observant uniquement dans leur habitat naturel. On peut connaître les mouvements migratoires, combien de temps ils vivent, d'où ils viennent et où ils vont. Et à la fin, on les libère. À Doñana, les scientifiques ne se contentent pas d'observer les animaux sur le terrain. Le parc abrite en son sein une collection de 130 000 exemplaires d'animaux empaillés. Le travail des taxidermistes, minutieux et délicat, est indispensable.
Grâce à lui, les scientifiques peuvent observer, voire dessiner l'animal tel qu'il serait dans son milieu naturel. Un travail d'autant plus important qu'une peau bien traitée peut être conservée pendant au moins 3 siècles. Ici, on a un jeune aboutarda. C'est une espèce qui a été en voie de disparition et aujourd'hui elle est protégée. Le procédé de conservation, c'est d'extraire toute la matière organique. Après, on reconstruit l'animal comme il était à l'état naturel. Les scientifiques conservent aussi l'ADN, les œufs, le squelette et les muscles. Autant d'éléments qui leur permettent d'élaborer une base de données, véritable mine d'informations sur les espèces du monde entier. Les animaux en voie d'extinction, comme le lynx pardel, symbole de Doñana, font l'objet d'une attention particulière. Ici, c'est les lynx qui viennent de Doñana. Celui-ci, c'est un jeune, vous voyez. Et là, on a 2 dessins assez classiques. Celui-ci, il est plus rare. Et l'autre, on le trouve plus souvent. Son pelage est plus roux. Et il a des rayures ici et là. On essaye d'avoir au moins 10 ou 15 exemplaires de chaque espèce pour que les informations soient statistiquement plus fiables et pour qu'ensuite on puisse les comparer avec d'autres groupes de la même espèce. Doñana est un sanctuaire pour de nombreuses espèces. Il est aujourd'hui classé à l'UNESCO. C'est toujours comme ça? Il n'y a pas beaucoup de gens. Environ 200 personnes en ce moment. L'été, on est plus nombreux, mais après, le village se vide. Vous les repeignez souvent, les maisons, là? Parce qu'elles sont particulièrement d'un blanc immaculé. Oui. Tous les ans? Tous les ans. Wow. Muchas gracias. Pourquoi on n'avait pas ces maisons en blanc à l'origine? 19e siècle, surtout à Sevilla. Il y avait pas mal de maladies, des infirmités, la colère, tout cela. Alors les docteurs de la reine Isabelle II vont ordonner, surtout dans l'Andalousie, la région la plus chaude d'Espagne, de mettre tout à la chaux, blanc à la chaux. Oui. Parce que la chaux, c'est un bon désinfectant. Mm-hmm, et maintenant, et de garder la fraîcheur à l'intérieur, ça éloigne aussi les petites bestioles, comme mm-hmm. moustiques, et trucs, des choses qui peuvent quand même passer des infirmités. Alors, depuis le 19e, tout est devenu complètement blanc. Ces villages blancs, on les retrouve aussi dans le monde arabe. Hein? Nous sommes tout à fait héritiers d'un tout petit peu de cette culture. N'oubliez pas que la plupart des villes, les villages ici, on les nomme comme Ben Adali, Ben Rabat. Vous faites du bon pain, ça sent très très bon. Oui, le désodorisant de cette voiture est super. Je peux vous acheter des... Des madeleines. Les madeleines. Tout est fait maison. Il n'y a pas de conservateur ni de colorant, rien. Tout est fait maison. Vous passez tous les jours, madame, dans le village? Non, le mardi et le vendredi seulement. Les autres jours, je suis ailleurs. J'ai commencé à 7h du matin. Et je vais finir à 15h. C'est des sacrés journées. Merci beaucoup. Muchas gracias. Bon, je vais continuer ma tournée. Ah, vous avez du boulot, je vous en prie. C'est l'heure de pointe. À une autre fois. Bonne journée, madame. Nous sommes les premières montagnes qui trouvent le nuage
en passant de l'Atlantique à la Méditerranée. Et généralement, ici, on a un peu plus de pluie. Mm-hmm. Si par exemple, à Séville, il pleut 45 jours chaque année. Ouais. Ici, il pleut 100-110. Oui, donc c'est pour ça qu'on trouve pas mal de vergers. C'est quoi? C'est des châtaigniers, là, qu'il y a ici, juste devant nous. Surtout les châtaigniers. Oui. Nico, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Vos arbres, ils sont pleins de châtaignes, ils sont magnifiques. Ils ont quel âge, ces arbres? Je ne sais pas, je suis ici que depuis 2 ans. Pourquoi vous êtes venu vous installer ici? Nous sommes anglais. On avait un travail très stressant. Alors, on s'est installé ici pour changer de vie, pour vivre plus sainement, pour vivre de la terre. C'est fabuleux. Où que tu ailles te promener, la vue est magnifique. Et en bas, au village, tout le monde nous salue et on est devenus amis. Comment tu décris, toi, les gens d'ici? Imagine-toi, par exemple, une petite et très belle région en France à laquelle j'aime bien, s'appelle l'Auvergne. L'Auvergne, oui, je connais bien. Nous sommes plus ou moins les Auvergnats de l'Andalousie. Ça veut dire quoi? Ça se retrouve dans le caractère aussi? Le caractère, la façon d'être, le travail, la façon d'être dédié à la campagne, la façon d'être aussi même intégré dans leur environnement. Tiens, Armando, tu m'aides? Ou alors attends, je vais prendre une bonne vieille technique de Sioux. Hop! Oui. T'as vu, moi j'ai une technique, hein? Avec le pied. Regardez comme elles sont belles, ces châtaignes, et généreuses. Bon, le temps que je me demande comment je vais pouvoir les préparer et les accommoder, je vous propose qu'on suive de nouvelles aventures, car c'est l'heure de retrouver notre route mythique. Nous allons faire un voyage de contournement. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, car il s'agit de la route de Kerabant. Alors certes, il y a une référence au roman de Jules Verne, mais nous allons suivre l'ami voyageur Sylvain Tesson, d'une rive à l'autre du Bosphore, le long de la mer Noire. Cette route mythique, nous la suivrons en feuilleton de 4 épisodes. Aujourd'hui, c'est le premier. Vous allez voir, c'est un très beau voyage réalisé par Nicolas Millet. A tout à l'heure. Istanbul, ville monde. Istanbul, ville monstre. Une cité de 18 millions d'habitants, chargée par l'histoire de traduire l'Asie à l'Europe. Je suis en Turquie pour rendre hommage à la mémoire d'un héros de Jules Verne, Kerabant le Têtu, qui voyagea autour de la mer Noire. Byzance a accouché de Constantinople, qui devint Istanbul, et la mer fut le témoin de ses passations. Le Bosphore est une plaie qui coupe en deux la ville. Rive gauche, l'Europe, rive droite, l'Asie. Au milieu, les bateaux. Istanbul est un embarcadère. C'est ici, sur la rive européenne, que Jules Verne campe le début du plus improbable voyage. Kerabant, négociant en tabac, ne paiera pas la taxe pour rentrer chez lui, de l'autre côté, sur la grève asiatique. Question de principe, pas d'avarice. L'homme préfère se lancer dans le tour intégral de la mer Noire. Kerabant ne force pas, Kerabant ne fuit pas, mais Kerabant contourne. 3000 km d'aventure pour 2 km de Bosphore. Moi, je pars sur la trace du vieux Turc, pour qui l'obstination était un moyen de transport. Dans un mois, si tout va bien, je serai là-bas, en face. J'aurai pris le Bosphore à revers. Que l'Asie et l'Europe marchandent ici, dans le foutoir très ordonné du marché central d'Istanbul. Le meilleur moyen pour comprendre une ville? Se noyer dans son bazar.
C'est ce que fait chaque jour Sébastien de Courtois, un écrivain français qui vit ici, dans l'entre-deux, où l'Asie n'a pas commencé, où l'Occident s'estompe. Traditionnellement, les Turcs ont toujours regardé vers l'Occident, finalement. Il y a un mouvement oriental-occidental qui est une constante depuis la percée des premières tribus turques en Anatolie, qui est au tournant du XIe siècle. Maintenant, c'est un tout petit peu en train de changer. Néanmoins, il y a la persistance de la volonté d'adhésion à l'Union européenne, qui reste une constante politique depuis les 30 dernières années, disons. Ça change un petit peu en ce sens que la Turquie se réapproprie son histoire et donc son passé ottoman et donc son passé anatolien finalement. Donc on n'a plus honte de regarder vers la steppe, on n'a plus honte de regarder vers ces étendues désertiques parce que finalement on comprend que c'est un peu sa propre histoire. Welcome to Turkey! J'aime beaucoup ce fameux cosmopolitisme dont on parle beaucoup, qui existe encore d'une certaine manière, mais qui est un cosmopolitisme plutôt oriental maintenant. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'Européens qui habitent en Turquie, mais de plus en plus de peuples venant d'Asie centrale, des Iraniens, des réfugiés politiques, beaucoup, et des peuples de la mer Noire aussi. La civilisation est pour moi ici, c'est-à-dire l'aspiration à être attentif. Bon. Vous avez un accident, vous tombez, quelque chose se passe, les gens font attention à vous. Le corps social est une réalité, c'est quelque chose qui fonctionne. J'exagère un petit peu en critiquant l'Europe occidentale, mais c'est des choses que nous perdons. Nous perdons la simplicité, nous perdons l'accessibilité, nous perdons le temps. Le temps, voilà. Le temps. Kerhaban, lui, il avait le temps. Le temps d'arriver à ses fins en ne cédant jamais aux administrations. Je pars. Hamed, un pêcheur, m'emmène dans sa coque de noix à 30 km au nord d'Istanbul, là où le Bosphore s'ouvre sur la mer Noire. Alors, commencera mon voyage le long du plus simple itinéraire qu'on puisse imaginer. Pour rentrer, il suffira de suivre le littoral dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis né à Kastamonu. Je me suis installé à Istanbul en 1959. J'ai commencé à être pêcheur sur les pontons. Après, j'allais souvent jusqu'aux îles à la rame. On n'avait pas de bateau à moteur. On n'avait pas les moyens de s'acheter ces embarcations et on faisait le trajet des centaines de fois. On travaillait à la rame. Mais aujourd'hui, avec toute cette circulation et toutes ces vagues, on ne peut plus travailler comme ça. On coulerait. Nous avons vraiment peur des ferries et des gros navires. Ils foncent droit sur nous. Une à deux fois par an, il y a des accidents. Généralement, ce sont des bateaux pour les touristes. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai eu un ferry qui m'a embouti. Le détroit fait communiquer la mer Noire à la mer de Marmara. En surface, un courant nord-sud, très rapide. En profondeur, un flux contraire. Je connais des gens comme ça, traversés par des penchants contradictoires. Des gens dangereux, comme le Bosphore. Dans le port qui verrouille l'extrémité du détroit, j'ai rendez-vous avec Chingiz Aktar, un politologue. Nous voilà devant la mer Noire. Pendant un mois, je ne la quitterai pas. Ni elle, ni les peuples littoraux dont je ne sais même pas s'ils ont le sentiment d'en être les enfants. Il y a certainement une unité civilisationnelle entre les pays slaves du nord de la mer Noire. Ça va de soi. Bon, la Bulgarie et la Roumanie faisaient partie du glacis soviétique. Donc, mais aucun lien par contre avec le sud, c'est-à-dire la Turquie. Il y a d'autres liens
qui remonte au 19e siècle avec la Russie tsariste qui a pourchassé pratiquement toutes les ethnies musulmanes du Caucase, c'est-à-dire les Tcherkesses, les Géorgiens musulmans, les Tchétchènes et plein d'autres encore, sont venus s'installer justement en Turquie et sur la côte de la mer Noire. Mais de là à dire qu'il y a une unité, enfin une harmonie civilisationnelle ou une culture commune, j'irai pas jusque-là. C'est la mer et le poisson qui les unit. Voilà. Et c'est vrai que c'est une mer très difficile. C'est une mer qui prépare toujours des surprises. Et je pense que tous les pêcheurs et les hommes de la mer noire, eh bien, ils connaissent bien leur mer pour pouvoir y survivre. Dans un mois, j'aurai peut-être ma propre idée sur le sentiment d'unité des peuples de la côte. Prendre la route à nouveau. Comme Karaban, je traverse l'ancienne Roumélie, la Turquie d'Europe. Et dans le moutonnement des forêts de l'automne, je roule vers le prochain pays littoral, la Bulgarie. J'apprends à dire stop en turc. Avec des mots pareils, comment s'étonner de se heurter aux frontières ? C'en est fini de l'Orient. Provisoirement. Ville de Varna, la troisième de Bulgarie. L'endroit représentait le paradis balnéaire au temps de l'URSS. Il y a là l'atmosphère soviétique que j'aime, le mélange d'urbanisme socialiste et de chaleur humaine. Le journaliste Véline Peskov me confirme que tout n'était pas monolithique dans l'ancien bloc. Ici, le long des escaliers, il y avait des responsables du Parti communiste, du Komsomol, des pionniers, mais aussi plein de gens ordinaires. J'avais 14 ans à cette époque, tu t'imagines. C'était super parce qu'ici, on était entre les soldats russes et les femmes bulgares qui leur disaient bonjour. On était des pionniers. Maintenant, on discute beaucoup si c'était bien, si c'était mal, je ne peux pas dire. Parce qu'à l'époque, on était tous les amis. Le plus important pour nous, c'était qu'on était ensemble, tu vois. Maintenant, on est beaucoup plus individualiste, malheureusement. Et moi, cette époque, elle me manque beaucoup. On était pauvres, on n'avait pas vraiment beaucoup de choses. Écouter de la musique de l'Ouest, c'était interdit. Mais en tout cas, on s'amusait bien, on était vraiment vivants. Quoi reconnaît-on que l'on aborde aux rives du monde slave ? Aux gens qui semblent ne rêver qu'à une chose, s'infuser dans les eaux bouillantes. À l'Est, le thermalisme est un humanisme. Dans le centre de la ville de Varna, les habitués ont baptisé cette source captée la Flaque. C'est une eau merveilleuse pour notre santé. Enfin, il faut quand même avoir un cœur vaillant. Et ce n'est pas très recommandé à ceux qui sont malades. Parce que, après 25 minutes, tu sens la fatigue t'envahir. Ce qu'il faut faire, c'est alterner entre l'eau chaude et l'eau de la mer. Et comme ça, tu es dans un vrai jacuzzi naturel. Et la circulation sanguine s'accélère. Et alors là, même ton épouse ne peut te contenter. Écoute-moi bien. Moi, je m'appelle Getchev. Et je n'ai pas peur d'affirmer ceci. Il y a plus de 1500 sources en direction de la mer Noire. Mais des hommes avides, des voleurs, des mécréants se sont appropriés ces sources pour en faire des centres de spa. Et tout ça avec la bénédiction de la municipalité.
suis au nord de la Bulgarie, je suis au bord de la Bulgarie. Ce matin, au Cap Kaliakra, la mer est triste et noire et le ciel est lugubre. J'ai attendu Senaja, une institutrice du village voisin. Elle est gagaouze, du nom de ce peuple orthodoxe et turcophone qui a lutté pour conserver sa foi dans la nuit ottomane. Ce lieu est vraiment unique et chargé d'histoire. La légende raconte qu'ici eut lieu le sacrifice de 40 vierges. À l'époque du joug ottoman, la population bulgare était convertie de force à la religion musulmane. Mais ces jeunes vierges ont préféré se jeter dans l'immensité de la mer Noire plutôt que de subir la conversion forcée. Elles ont préféré rester chrétiennes en payant ce choix de leur vie et en ne trahissant pas leur foi. Si l'eau a une mémoire, elle se souviendra de la légende gagaouze. Quant à moi, je n'oublierai jamais qu'il y a toujours une porte de sortie devant l'inacceptable. Sauter. Repartir, passer les frontières. Jules Verne aimait les hommes pressés. Suivre les pas de Kéraban impose d'abattre les étapes à un rythme de bûcheron. Je rentre en Roumanie. J'ai toujours voulu savoir si le Danube était vraiment beau et bleu. Alors, quels sont les quartiers que tu veux me montrer? On va prendre ce chemin qui passe dans le quartier de l'Alba ici. Et cela va nous mener dans l'un des quartiers les plus connus de Grenade. C'est le quartier du Sacromonte que je veux te faire découvrir. Voilà Sophie, nous arrivons au quartier du Sacromonte, qui est l'un des plus vieux quartiers de Grenade. C'est aussi l'un des plus pauvres comparé à celui de l'Alhambra. Mais c'est aussi peut-être l'un des plus intéressants, en tout cas pour moi. Ah, il y a une petite épicerie là, tu veux pas qu'on s'achète un peu d'eau? Si. Hein? Il fait chaud aujourd'hui. Oui, ça va nous faire du bien. Hola. Hola. Bona. Hola, dígame. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué Sophie. Sophie, Mariano. Hola, Mariano. J'aurais dígame. Voulu deux bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Des petites bouteilles bien fraîches, c'est ça? C'est original, cette épicerie dans une caverne comme ça. Comme on est dans le quartier des grottes, je devais t'amener dans une épicerie grotte. Vous visitez bien une grotte reconvertie en épicerie? Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Ça fait 40 ans. Depuis que je suis né, en fait. Je suis né dans ce quartier. Et donc vous vivez là, à côté de votre commerce? Vous vivez dans une habitation troglodytique? Je n'habite pas juste à côté, mais ce n'est pas très loin. Si tu veux, je peux te la faire visiter. Ouais. Tu pourras te rendre compte de la différence qu'il y a entre une grotte réhabilitée en boutique et une grotte réhabilitée en maison. Ça m'intéresse, j'aimerais bien aller voir ça. On y va, Pedro? Oui, c'est très bien, on y va. Ah bah super, écoutez, je vous prends deux cartes postales, deux bouteilles d'eau. Tiens, Pedro, on va en avoir besoin. Gracias. Vous êtes avec nous? Voilà. Yo quiero hablar contigo también. Il y a combien de personnes qui habitent dans ce quartier? Regarde, Sophie. Le seigneur de la canne. À l'intérieur, il y a une peinture très ancienne et les gens viennent devant pour prier le seigneur de la canne. Il y a encore beaucoup de gens ici qui croient en lui toutes les semaines.
On va escalader. Está mal el carril del agua. Ils sont bons, tous ces petits, là. Oh, oh Javi, dis-le hola. Dis-le hola. Oh, mon Dieu, que tu es belle, toi. Comme tu peux le voir, tout se passe bien. Il n'y a pas besoin de parc pour ces enfants. Ils ont l'air très heureux, tous ces enfants. Tiens, vas-y, entre. Bon, ici, la construction est conventionnelle. Mais là, c'est le début de la montagne. À partir de là, on a creusé dans la roche pour pouvoir agrandir la maison. Cette pièce aussi, elle est à l'intérieur de la montagne. Comment as-tu fait pour faire entrer cette armoire? Une petite pièce, puis une autre, et je l'ai montée une fois tout à l'intérieur. Par contre, tu ne peux plus sortir l'armoire maintenant, c'est fini. Ah là, il ne me reste plus qu'à prendre une hache. Tu as tout prévu. Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre comme ça dans une habitation troglodytique? En fait, les inconvénients, je ne les vois pas vraiment, car j'adore vivre là-dedans. C'est tranquille et on n'entend pas les bruits de la ville. Ah là, on n'entend rien. Bon, quelquefois, on entend un bruit et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le bruit du vent, seulement le bruit du vent. Sophie, on va s'arrêter sur ce point de vue. Je vais te raconter l'histoire du quartier. À l'époque arabe, il s'appelait la Vallée du Paradis et aujourd'hui Sacromonte. Alors pourquoi ce changement? Eh bien, les musulmans ont inventé une histoire. Ils ont dit avoir découvert ici le corps d'un saint chrétien, Saint Cecilio. C'était pour montrer aux chrétiens que leur histoire et celle des musulmans et même celle des juifs ont les mêmes racines, qu'il n'y a pas de différence culturelle. Malheureusement, les chrétiens ne furent pas convaincus. Et comme ils étaient les rois de Grenade, les musulmans ont dû quitter la ville. Ceux qui voulaient rester devaient alors se convertir au christianisme. C'est une bonne histoire qui montre la souffrance des musulmans. Beaucoup ne voulaient pas quitter la ville et ont dû renoncer à leur religion pour continuer à vivre chez eux. Aujourd'hui, qui vit ici dans le quartier? Qui sont les habitants du quartier? Oh, tu sais, il y a beaucoup de gens différents qui vivent ici. Depuis les grottes du haut, qui ont été habitées très tôt, jusqu'au quartier du bas. Il y a quelques gitans, mais plus beaucoup. On essaye de s'entendre bien, c'est un quartier très familial. Tout le monde se connaît et on essaye de redonner une bonne image au Sacromonte, qui a mauvaise réputation. Je ne sais pas pourquoi, mais à la vérité, comme tu as pu le voir, c'est un quartier très tranquille. Ouais. Toi, t'es bien ici, t'es heureux. Claro. No lo entiendo. Je suis contente d'être venue ici. J'aime beaucoup ce quartier. Si tu veux, on peut aller à l'Alhambra maintenant. C'est juste en face. Ah bah oui, j'aimerais bien parce que venir à Grenade et pas voir l'Alhambra, ça serait quand même très dommage. La première mention de la ville rouge, en langue arabe Alhambra, remonte en l'an 860 de l'ère chrétienne. C'est de ce nom arabe que provient le nom actuel de l'Alhambra. La citadelle rouge des rois Nasrides deviendra célèbre pour la pierre de Pisée de ses murailles qui rougeoient dans le soleil couchant. Plus de 7000 touristes visitent chaque jour ce monument digne des mille et une nuits. L'Alhambra, c'est une vraie merveille. Ça fait déjà la cinquième fois de ma vie que je le visite. Le travail des vues, de toutes les... C'est hyper minutieux. Enfin, c'est, ouais, c'est magique. Tellement magnifique que les chrétiens l'épargnèrent. L'Alhambra reste aujourd'hui un des seuls palais témoins de la splendeur des dynasties arabes. D'abord forteresse, l'Alhambra devient au XIIIe siècle le lieu de résidence des émirs Nasrides.
Ces souverains font décorer chaque parcelle de leur palais par des artistes au sommet de leur art. Ces décors, qui ont traversé les siècles, sont aujourd'hui régulièrement restaurés par une équipe présente à plein temps. Chaque détail compte pour ne pas trahir le travail des artisans de l'époque. La restauration se fait tout en précision. L'aspect le plus important de notre travail de restauration, c'est l'entretien des pièces de bois au quotidien. Parce que c'est un élément organique, vivant, qui souffre des intempéries et aussi du passage des visiteurs. Là, on travaille sur des portes originales du XIVe siècle en pin. Leur polychromie est conforme à la palette des couleurs de l'époque nasride. Rouge, bleu, noir et blanche. L'Alhambra, véritable jardin d'essence, inspira les poètes de la cour. Sourates du Coran ou inscriptions poétiques ornent les murs et les piliers du palais. La plupart célèbrent l'harmonie du lieu. Grâce à de savants systèmes hydrauliques, les architectes musulmans acheminèrent l'eau des montagnes environnantes jusque dans le cœur de leur demeure. Le jardin du palais d'été, le Généralif, en est un bon exemple. Les émirs l'appelaient Jardin du Paradis. Sa structure n'a pas changé depuis le XIIIe siècle. Ce jardin est en forme de croix. Il se divise en quatre parties qui pourraient représenter les quatre fleuves du paradis. Dans ce lieu, on peut vraiment ressentir l'esprit de cet endroit qui est très fort. Dans la mesure du possible, pour respecter le lieu, on essaye d'utiliser les plantes qui existaient à l'époque. L'architecture de l'Alhambra, de style moudéjar, avec ses arabesques, ses stucs et ses formes géométriques, n'aura de cesse d'influencer les constructions d'Andalousie jusqu'à aujourd'hui. Je cherche le désert de Tabernas et les décors de cinéma. C'est un peu plus bas, c'est marqué Mini Hollywood. Ah d'accord, c'est bien ici qu'il y avait des tournages de western. Clint Eastwood est venu tourner pour une poignée de dollars ici. Ah oui, pour une poignée de dollars. Ils ont tourné le film dans le village là-bas. Certains d'entre vous ont travaillé sur les films de Sergio Leone ? Oui. Moi, j'ai tourné dans Pour quelques dollars de plus. Je faisais de la figuration. Non. J'avais le pistolet à la ceinture. C'était un flingueur. Il avait la tenue et le chapeau. Vous avez gardé le chapeau et les pistolets ? Ah oui, je les ai à la maison. J'avais entendu dire qu'il y avait Brigitte Bardot et Claudia Cardinal qui étaient venues tourner les pétroleuses. Muy joli. Oui, très joli. Beaucoup de joli, Brigitte Bardot. Là, c'est marrant, le français revient pour dire « a été très jolie, Brigitte Bardot ». Muchas gracias. Merci beaucoup, messieurs. Muchas gracias. Voilà. ¿Nos puede tomar una foto? Gracias. Póngase aquí. Gracias. Merci. Merci, shérif. De rien. Vous n'avez pas un rôle facile ici, parce que c'est pas facile la vie d'un shérif. Si, c'est facile, parce que la moitié des bandits sont de ma famille. Celui-ci, c'est mon fils. Et celui sur le chariot, là-bas, c'est aussi mon fils. Ah bah d'accord, c'est une histoire de famille chez vous. Ils ont grandi ici. À quand remontent ces tournages de western ? Ça remonte à la fin des années 50, début des années 60.
Ici, on appelait ça le studio de l'Europe. Et quant à Hollywood, on tournait un film, ici on en faisait 6. C'était très impressionnant. Dans la région, je pense que tous ceux qui ont plus de 50 ans ont travaillé dans le cinéma. Dans la construction, la figuration, l'éclairage, avec les chevaux. Moi, j'ai commencé cette aventure quand j'étais gamin. C'était plus intéressant d'aller tourner un film comme figurant que d'aller au lycée. Et pour mon père aussi, c'était intéressant parce que je ramenais un peu d'argent à la maison. Quels sont les grands films qui ont été tournés ici? Laurence d'Arabie, Le Bon, La Brute et le Truand, Conan le Barbare. Pourquoi a-t-on choisi le désert de Tabernas à une trentaine de kilomètres d'Almeria pour installer des studios de tournage de western? D'abord, pour l'argent. Ici, ça coûtait moins cher. Et puis, la météo est très stable et la lumière est incroyable. Quand ailleurs tu dois installer beaucoup d'éclairage, ici le soleil est suffisant. On a le désert, à 30 km tu as la forêt, à 30 km tu as la neige, à 30 km tu as la mer. Bref, c'était vraiment facile de tourner ici. Désolé Sophie, c'est terminé, j'en peux plus. Plus un mot jusqu'à la fin. Ok, shérif. Voy con mis muchachos. Está bien, está bien, Bob. Il est temps de reprendre la route, c'est la fin de ces échappées belles andalouses. En tout cas, je suis vraiment très heureuse, car je rêvais de voir l'Alhambra et ses choses faites. C'était absolument magnifique. À Ronda, Faustino m'a confié qu'il aimerait bien qu'un jour, sa ville soit classée comme l'Alhambra au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'espère que ça arrivera, en tout cas, ça serait vraiment mérité. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, hasta pronto et faites de beaux voyages.